Bonjour mes amis. Bon, avant de commencer quoi qu'il en soit, je tenais à vous expliquer ce que on va faire. Aujourd'hui, comme pas mal de temps, j'ai vu à beaucoup des étudiants ou bien des élèves selon laquelle n'arrivent pas à transformer un fichier Word à un fichier PDF. Alors, aujourd'hui, j'ai pris tout simplement l'actualité là du mercato, le père de Messi, etc. et tout ça avec ce qui se passe à travers le monde. Et je veux tout simplement vous expliquer comment faire, comment quitter The World et aller avoir un fichier PDF. Alors, regardez très bien. Premièrement, vous allez tout simplement télécharger FoxReader. Il est là. C'est l'application qui doit être installée dans votre ordinateur. Au moment que c'est fait, on dit directement que c'est fait. Je crois que c'est fait. C'est déjà fait, non? C'est fait. Alors, c'est fait. Merci beaucoup. Alors, on revient ici. On va se focaliser ici. Vous regardez ici. Il y en a accueilli. Insertion, mise à jour, référence, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive directement FoxReader PDF. Vous cliquez tout simplement ici. Alors, il va vous demander créer un fichier PDF. Créer, ça c'est le premier. Le deuxième, créer un fichier, créer et envoyer par email. Si je veux créer seulement mon fichier et rester dans mon ordinateur, je peux cliquer directement créer. Si je veux le créer en même temps, le envoyer par email, je vais cliquer le deuxième. Alors, pour nous, on va cliquer directement le premier. Alors, on va tout simplement continuer. Pour convertir le fichier, vous devrez d'abord enregistrer. Nous, on n'a pas enregistré ce document. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer d'abord notre document. Bon, ça n'a pas d'importance. Cela, on va le mettre au bureau, comme ça on peut le supprimer. Alors, on enregistre le document. Le document est fait et lui, il va nous tout simplement nous demander qu'il va directement faire notre travail. Là, il est commencé directement de faire comme c'est une impression. Et après, il va créer directement le fichier PDF. Vous voyez, mercato.pdf. Alors, tout simplement, le dossier, l'image, il est là, il est clair. Hein? Tout va à la merveille. Et là, notre fichier en format PDF est fait. Alors, tous les étudiants qui souffrent de ça, ou bien les élèves, ou bien les nouveaux... Bon, comment je peux expliquer tout cela? C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas difficile. Il ne faut pas vous gêner à ne pas arriver à faire ce genre de choses. Mais je le vois dans tous les groupes où on demande ça. Il y en a beaucoup des étudiants qui demandent cela. Alors aujourd'hui, je prends le plaisir directement de le faire sans souci. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup.